Février 2020, Marseille se prépare à accueillir son étape du circuit ATP. Alors que l'Open 13 attend certains des meilleurs joueurs du monde, dans les coulisses du tournoi, la team BNP Paribas Jeunes Talents fait sa rentrée. Bonjour à toutes, à tous. Je crois qu'on n'a jamais été aussi nombreux. Dans ce programme, soutenu par la Fédération Française de Tennis, 10 filles et 10 garçons entre 12 et 18 ans. Créée il y a 2 ans et parrainée par Joe Wilfried Tsonga, cette team bénéficie d'une aide financière et d'un accompagnement. À Marseille, pendant 48 heures, tous ces jeunes vont vivre au cœur d'un tournoi ATP. C'est important que vous puissiez voir ce qui se passe derrière le rideau et que vous puissiez comprendre le quotidien d'un tournoi. Donc profitez-en au maximum. Parmi toutes ces pépites, Arthur Cazaux est celle qui brille le plus depuis le début de saison. À 17 ans, Arthur vient d'ajouter à son CV une ligne prestigieuse, finaliste de l'Open d'Australie Junior. Avant de partir en Australie, j'avais comme objectif de faire un bon truc quand même. Mon parcours il était vraiment compliqué pour arriver en finale, mais ça a rendu une saveur encore meilleure quand on gagne à l'arrache comme ça souvent. En termes d'expérience, je ne pouvais pas rêver mieux. J'ai pu jouer sur le Rod Laver, puis finale d'un grand chelem junior, donc je m'en souviendrai toute ma vie. Il y a des gens qui disent « Ah, tiens, c'est celui qui a fait finale à l'Open d'Australie. » Alors que ça veut rien dire. On est en junior, c'est qu'une étape. Et des fois, ça me fait marrer quand les gens disent ça parce que je suis la même personne. J'aurais fait premier tour, je suis la même personne. Mais grâce à sa performance en Australie, de nouvelles portes s'ouvrent pour Arthur. En collaboration avec la fédération, l'Open 13 a choisi d'accorder aux Montpelliérains une wildcard pour les qualifications. Notre politique a toujours été sur le fait de chercher des pépites, ce qui est le cas de tous les joueurs à qui on a pu donner des wildcards par le passé, Federer, Nadal, Richard Gasquet, Mario Hanchik, Edmund, mais Tsitsipas. La veille de son entrée en lice, Arthur découvre le court central. Numéro 2 mondial chez les juniors, il tape aujourd'hui avec Richard Gasquet, qui jouera lui aussi le tournoi marseillais. Dans quelques heures, Arthur a rendez-vous avec l'Autrichien Denis Novak, le premier top 100 de sa jeune carrière. J'ai rien à perdre. Je suis 1100, je vais jouer contre un mec qui est 100. Non, j'ai pas de pression. Donc ça va être super pour moi. C'est de l'apprentissage, je pense, plus qu'une étape. Pendant qu'Arthur Cazaux prépare son match, le reste de la team a rendez-vous avec Joe Wilfried Tsonga. L'ex numéro 1 français s'adresse aux adolescents, mais aussi à leurs parents. Je suis très heureux d'être là aujourd'hui, puisque moi, j'aurais adoré être à votre place quand j'avais votre âge. Les accompagner, c'est les accompagner d'abord et avant tout sur tout ce qui est en dehors du terrain. Pouvoir surtout les former, leur donner des personnes avec qui ils vont pouvoir être en interaction, que ce soit Joe Wilfried Tsonga, que ce soit d'autres sportifs. On travaille sur l'anglais, on leur donne des cours d'anglais, mais ça peut être aussi la nutrition, ça peut être aussi le fonctionnement d'un tournoi de tennis, ça peut être les questions sur les agents de tennis et comment ils peuvent construire leur vie en dehors du terrain au mieux. Qu'est-ce que vous auriez aimé que vos parents fassent à cet âge ? En fait, le premier agent des jeunes, en fait, c'est les parents. Moi, j'aurais aimé évidemment que mes parents s'y intéressent un peu plus pour pouvoir justement m'accompagner au mieux et me faire éviter le plus possible en fait, des petits pièges. Moi, entre 12 et 18 ans, je n'allais pas voir les pros, je ne prenais pas des photos, je n'avais pas un partage d'expérience. Puis voilà, l'équivalent de Joe de mon époque, il ne venait pas discuter avec nous, quoi. Voilà, ils ont accès à des choses qui sont hyper intéressantes et ça, c'est top. La pression, l'adrénaline, ça monte un peu. Et visuellement, y aura pas de... Enfin, personne dira, ouais, ça se voit, c'est lui le millième.
Pour la première fois de sa vie, à 17 ans, Arthur participe aux qualifications d'un tournoi ATP. Le match, ça démarre pas très bien. J'ai pas réussi à jouer mon jeu au début. J'ai été sous pression d'entrée. Denis Nova il était très agressif sur les premiers coups de raquette. Ça m'a fait un peu bizarre et du coup, j'étais un peu sous pression. Je prends 4-0 d'entrée, double break. Donc ça commence pas super. Après, au fur et à mesure du match, j'ai réussi à commencer à lâcher un peu plus mes coups. Ça allait un peu mieux. J'étais un peu déçu parce que je me dis que c'est dommage que je ne sois pas rentré plus rapidement dans le match. Et après, ça allait hyper vite. Mais j'étais quand même content parce que c'était une belle expérience et je sais que ça va me servir pour la suite. La vie d'un joueur entre 12 et 18 ans aujourd'hui, c'est la vie d'un joueur professionnel. Ils font le tour du monde dès 12 ans. Ils investissent beaucoup d'argent pour être professionnels et tenter l'aventure de gagner sa vie grâce à sa passion. Et bah, c'est la loi du plus fort. Hein. Max Westphal fait partie de ces adolescents globetrotters. Aujourd'hui, le tennis amène ce joueur de 16 ans au Maroc, quelques semaines après son premier Open d'Australie. Après, dans le deuxième, il me break au début et je fais 6-4, mais dans le premier, en plus, c'était mon premier grand chelem, tu vois, j'étais un peu stressé. Ouais. Je suis allé au Japon, je suis allé en Thaïlande, je suis allé en Australie, aux États-Unis. Ce voyage à Casablanca est particulier pour Max. D'habitude, accompagné par son coach, le jeune Parisien est arrivé ici en autonomie. Une expérience inédite pour lui. Franchement, moi j'aime bien. Ça permet un peu de me débrouiller tout seul. C'est à moi de trouver des joueurs, de m'organiser par rapport à mes matchs. Et j'aime bien parce que plus tard, j'aurai peut-être pas l'occasion d'avoir un coach à chaque fois avec moi. Donc c'est bien de savoir se débrouiller. Max va commencer son tournoi par un match de double dans lequel il sera associé à un Britannique. Fabrice Ndifo est l'entraîneur d'un autre junior français présent à Casablanca. Il est à la disposition de Max en cas de besoin. Ça fait partie de l'apprentissage de rentrer dans le circuit, de pas aussi partir en autonomie, voilà, pour pouvoir se gérer tout seul. On veut que les décisions un peu viennent de lui. Ah, même, moi je suis là, je suis à l'écoute. Franchement, ça s'est très bien passé. En plus, c'était la première fois qu'on joue ensemble, on s'est très bien entendu. C'est vrai. Bien coupé les... Ouais, à la volée, j'étais bien là. D'habitude, j'ai un peu de mal, mais là, j'ai pas hésité. C'est quand je suis... Giulia Morlet est aussi du voyage à Casablanca. La jeune Parisienne vient d'avoir 18 ans et s'entraîne désormais avec son frère, Andrea. La joueuse, née en 2002, a changé de coach, mais aussi de physique. Depuis un an, Giulia a perdu 10 kilos. Mon objectif, c'était le top 10 mondial à long terme, mais je pense que maintenant, je me fixe plus des objectifs vers le court terme. Si je progresse bien dans mon jeu, avec mon physique, dans ma tête, les objectifs de classement, entre guillemets, ils vont être atteints. Entre deux séances d'entraînement, Giulia se qualifie pour le deuxième tour en double à Casablanca. En tournoi, les journées commencent tôt et terminent tard. Vu qu'on passe toute la journée sur les cours, c'est bien aussi le soir de pouvoir admirer la belle vue comme ça pour un peu se changer les esprits en fin de journée. Dans ma chambre, je n'ai pas de wifi et donc je passe mes soirées assis à côté de ma chambre. Comment s'est passée ta journée? Bien. C'était la première fois que je jouais avec le mec, donc j'avais pas peur, mais je me demandais comment ça allait se passer. Chaque soir, Max débriefe sa journée avec son coach. Bon, allez, okay. Je te laisse tranquille. Ouais. Bonne soirée. Ciao, bonne soirée.
Mais ce rituel sera stoppé net en même temps que le tournoi à cause de l'arrivée de la Covid-19. Déjà, la demi-finale de double, c'était pas sûr qu'on la joue, mais nous, on savait pas trop, les joueurs. Le directeur du tournoi est venu nous voir et nous dire que voilà, on ne pouvait pas jouer la finale de double. Comme l'ensemble du pays, le quotidien des jeunes champions a été bouleversé par le coronavirus. Je me dis, quoi qu'il se passe, faut essayer de trouver une raison, enfin une sortie positive à ça. On peut sortir que plus fort mentalement de cette situation. Peut-être qu'on se disait qu'il y aurait peut-être des soucis, mais là, que tous les clubs de tennis ferment, je pense qu'on ne pouvait pas imaginer ça. Antoine Ghibaudo a vécu le confinement chez lui, là où nous l'avions rencontré l'année dernière. Comme tous les autres sportifs, Antoine a dû adapter sa préparation après l'arrivée du virus. Bah ouais, j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai fait beaucoup de physique. Il y avait mon préparateur physique qui, tous les jours, il m'envoyait mes séances. Donc à ce niveau-là, j'ai même un peu progressé pendant le confinement. Après leur séance, Antoine, Giulia et les autres avaient l'occasion d'échanger avec des personnalités dans le cadre du programme Jeunes Talents. Comment toi tu vois la reprise des tournois? J'ai vu que tu parlais souvent du travail invisible, mais du coup, est-ce que tu peux nous dire un peu? J'ai participé à 2 lives, dont un avec Tony Parker, donc j'étais vraiment super contente, quoi. Un mot en anglais, au basket, dire delete, delete, comme un ordinateur, delete. Chaque action, chaque tir loupé, si tu fais une mauvaise action, delete. Toujours te concentrer sur la prochaine action. On était vraiment dans un échange, donc c'était super sympa. Et en plus, on s'est organisé un double avec lui. Combien de temps tu fais de physique par jour, comme tu fais plus de tennis? Alors en ce moment, moi je fais des séances de 2 heures. C'était super intéressant, j'ai appris beaucoup de choses. Ils ont donné des super bons conseils, ils étaient très interactifs avec nous. Et j'ai trouvé ça super cool, c'était trop bien, quoi. Le thème du doute, c'est propre aux sportifs, aux sportifs de haut niveau. Ils pouvaient m'être bénéfiques si j'arrivais à avoir une sorte de relation avec lui. Sur un terrain de tennis, c'est un peu la peur de faire la faute, tu vois, des petites pensées parasites. Mais je le travaille en ce moment avec ma préparatrice mentale. Et avant, bah, c'est la peur, c'est le stress du match, quoi. C'est des petits doutes par-ci, par-là. Hello, voici mon petit blog. Non, mon petit vlog, attention, mon petit vlog. Wow. Coach, on a pensé quoi de la séance? Tu as accroché, bien, bonne séance. Merci, coach. À 15 ans, Jenny Lim fait partie du top 5 mondial de sa catégorie d'âge. Dès ses premiers tournois à 9 ans, elle a ressenti le besoin de travailler avec une préparatrice mentale. Et quand tu arrives à l'échauffement avec la raquette? Ouais, je suis mieux. T'es mieux. Vous pouvez voir 2 joueurs qui s'affrontent et en même temps avoir 4 affrontements. Le joueur avec lui-même, quand il se parle mentalement avec sa petite voix intérieure qui lui dit « t'es nul ». Et pour peu que le joueur, son adversaire d'en face, soit lui-même dans le processus, vous vous retrouvez avec 4 oppositions. Parfois, j'ai l'impression de me battre contre moi-même, en fait. Quand, par exemple, tu fais beaucoup de fautes, t'as peur, tu stresses beaucoup et tu parles à toi-même, en fait, et tu te bats contre toi-même. Ça se travaille et tu peux mieux l'appréhender. On est là pour aider ces enfants à se dépatouiller de ces mauvaises habitudes et leur apprendre à faire face. Devant, devant. Très bien. Voilà. Allez, allez. Jenny vient d'une famille qui n'est pas une famille aisée. BNP a ce rôle d'avoir un soutien financier fort. Puis ça permet aussi de continuer à travailler avec Gersand, la préparatrice mentale de Jenny. Championne de France en titre, Jenny travaille sa respiration au quotidien.
L'objectif est d'être le plus relâché possible sur le court. Cet exercice s'appelle la cohérence cardiaque. J'ai mon téléphone avec moi et il y a un rond qui monte, qui descend. Quand le rond il monte, eh ben, tu dois inspirer et quand tu descends, eh ben, tu dois expirer. Ça te met dans un état de concentration assez élevé pour mieux commencer tes entraînements. Maintenez la respiration présente tout le temps, pour le relâchement, pour la fluidité et pour pas vous, vous mettre à rude épreuve au niveau cardiaque là. Souffle. Voilà. Je veux t'entendre là. Je t'entends pas. Voilà. Là j'ai entendu ton cordage là. C'est une petite fille qui était timide, qui l'est beaucoup moins, qui a pris beaucoup d'assurance. Et assurance, ça ne veut pas dire qu'elle a pris le globe, hein, comme on dit. Elle est restée, je pense, les pieds sur terre avec des bonnes valeurs. Ouais, elle est fraîche. C'est un qualificatif qui lui va bien. Elle pétille. Prendre soin des têtes et des corps. Aujourd'hui, Jenny vient consulter pour une épaule douloureuse. Je fais ça et ça, tranquillement. Voilà, on voyait bien l'inflammation ici. Et sur les autres vues, l'adolescence est une période de croissance où le suivi des jeunes champions est capital dans le lancement de leur carrière. Ça fait un peu mal. Un enfant, c'est pas un petit adulte. Il y a vraiment des particularités. C'est-à-dire au niveau de l'os, c'est spécial. Il y a des cartilages de croissance. Au niveau des tendons, c'est pas la même structure ou la même maturité, si on veut. Et au niveau surtout musculaire, on n'a pas le même tonus. Et donc, ouais, il y a une vraie spécificité de l'enfant. Gérer une poussée de croissance en évitant les blessures, c'est le défi réussi par Antoine Ghibaudo. Il a déjà changé physiquement, il a pris quasiment 10 cm. Donc c'est devenu, je trouve qu'il est moins petit garçon qu'il a été. Il commence à se construire en tant qu'homme. Sur cette dernière année, j'ai surtout beaucoup grandi. C'est bien parce que ça me permet de mieux servir, ça m'aide pour mon jeu. Et vraiment, le service, c'était le coup que je vais le plus travailler. Donc là, j'ai beaucoup progressé, donc je suis content. Au classement français, et c'est, au classement ITF, c'est lui le meilleur français. Dans sa catégorie, hein, sur les 2005, je parle. Si tu prends les 2005 et le classement junior, il est dans le top 5 mondial. Comment, tout simplement, tu te décris aujourd'hui ? Je sais pas trop. Je sais pas, c'est un peu bizarre de parler de soi, je trouve. J'aime pas trop parler de moi comme ça. Je préfère jouer que faire des interviews, quoi. Les premières interviews que j'avais faites, même avec vous, je pense que je suis un peu plus à l'aise maintenant. Enfin, je sais pas, mais... Donc, je pense que quand je serai adulte, ça, si je suis pro, ça ira. Grandir sur le terrain et en dehors. L'enjeu est important pour des adolescents amenés à côtoyer les caméras au quotidien. On va vous mettre en situation de faire une conférence de presse du premier tour de Roland-Garros. Et ça ne sera pas vous individuellement, vous allez jouer des rôles. Vous allez jouer le rôle de joueur étranger, de joueur français. Il y aura des gens qui passeront là, il y aura des gens qui resteront, qui seront journalistes, qui devront poser les bonnes questions. La question est de savoir quel est le type de discours qu'on tient et pourquoi. Donc tout ça, on va le faire de manière très ludique aujourd'hui. Quel numéro ? 5. Roger Federer. Giulia, pardon. 14. beIN Sport, il en manque un ? Toi, t'es qui toi ? Moi, je suis Julien Benneteau. Je suis Serena Williams et je vais devoir parler anglais. Mais moi, j'ai déjà les questions 5, je comprends pas. Moi, je dois jouer Frédéric Viard, donc intervenant chez beIN Sport. Je pense que je vais me débrouiller, mais c'est pas facile de se mettre à la place du journaliste. Bonjour Christina, Frédéric Viard de beIN Sport. Est-ce que tu penses que ta sélection en Fed Cup t'a apporté plus de confiance pour aborder des matchs contre des joueuses du top 10? Ça peut nous préparer un petit peu à la réalité des interviews. Et en plus, c'est ludique, tout ça. Ça nous permet de nous amuser un peu, donc c'est marrant. Ouais. It's okay, I understand. Yes, it's always tough to play a French girl in Roland Garros. Ça nous prépare à ce qui nous attend peut-être plus tard, j'espère. Et comment répondre à ces questions si ça nous arrive, quoi. Bonjour, la France.
BNP Paribas est complètement dans une aide pour gagner du temps. Nous, à notre époque, on n'était pas proactifs. À 12 ans, on partait tous dans les pôles, dans les ci, dans les ça. Alors que s'il y en a certains qui veulent rester chez eux, bah, ils peuvent le faire grâce à ce programme-là. Et ça, c'est assez exceptionnel. Avoir la possibilité de choisir, une chance pour cette nouvelle génération. Jenny aurait pu suivre ses cours à distance, comme beaucoup de futurs champions, mais elle a choisi de rester au collège. She wonders what she should do with this piece of art. Tu connais déjà la définition, genre ? T'es une élève qui doit s'absenter fréquemment et qui pourtant revient toujours en cours avec les devoirs de fait, les leçons d'apprises. This article talked about Kara Tabachnik. Elle n'a pas vraiment besoin de soutien en fait dans ses études, mais le fait qu'elle soit ici, je pense que ça lui donne un équilibre aussi. Il faut que tu regardes ça. Elle se retrouve en Corée du Nord, ouais. C'est mes deux. Il y a une tempête et elle se retrouve en Corée du Nord. Corée du Nord, ouais. J'ai préféré aller dans un collège pour terminer ma troisième. Parce que je trouve que être scolarisée à la maison, c'est. J'ai plus de vie sociale. Et je préfère être ici parce qu'il y a beaucoup de monde et je peux parler, j'ai mes amis ici et c'est un peu mon endroit de détente. Bon, on va monter. Jenny est une élève de 3e le matin et une espoir du tennis l'après-midi. À 14h30, j'ai entraînement physique et ensuite après, j'ai tennis à 16h. Je crois que la salle était au fond, c'est pas là, je crois. Si certains jeunes restent habités chez leurs parents, d'autres font le choix de partir. Max Westphal a quitté son domicile familial en région parisienne pour s'installer à Cannes, dans le sud de la France. Je suis parti quand j'avais 15 ans. En fait, je m'entraînais à côté de chez moi et mes entraîneurs, ils ont été assez honnêtes. Ils m'ont dit, écoute Max, je pense que si tu veux aller... plus loin dans ta carrière tennistique, il faut que tu ailles autre part. Donc j'en ai parlé avec mes parents. Il a déménagé. Donc du jour au lendemain, il est parti. Et puis on ne l'a plus vu. Donc c'était assez difficile parce qu'on était quand même très très impliqués dans son projet. Le sacrifice, il sait pourquoi il le fait. C'est qu'il a une passion, il a une envie, donc il est prêt à se sacrifier. Je ne sais pas si les parents sont aussi prêts que ça. Ce que l'on ressent aujourd'hui, c'est que Max nous manque, en fait, au jour le jour. Ne plus le voir, c'est difficile. On est content qu'il fasse son projet, mais ne plus le voir, c'est difficile. Dans quelques heures, Max fêtera ses 17 ans. J'ai reçu d'autres cartes. Un anniversaire loin de sa famille, mais avec une surprise dans la boîte aux lettres. C'est une petite carte de mes parents et mon frère. J'ai eu de la chance aussi que mes parents me fassent, on va dire, confiance et qu'ils m'ont appris des choses de façon que je puisse me débrouiller tout seul. Même si ça paraît des choses complètement simples, prendre le bus, aller faire des courses, je sais me débrouiller et ça m'aide dans la vie quotidienne. En vrai, j'aime bien cuisiner, ça me fait... je trouve que ça me détend, tu sais, ça détend. Là, j'ai fait des tomates, je coupe de la mozza. Je me dis si, tiens. Cette vie-là, ça veut dire qu'il est fait pour ça. J'espère qu'il est fier de moi, là. Je me fais à manger. Je me fais une bonne petite salade, donc je pense qu'elle sera contente. Le plus important en tant que parent, c'est que nos enfants sont bien. Je suis vraiment reconnaissant envers eux pour tout ce qu'ils m'ont fait et je sais que c'est vraiment exceptionnel, quoi, la chance que j'ai. De toute façon, c'est bien dans la vie, je trouve l'école de l'effort, c'est bien. C'est de rêver et puis d'y aller. On n'a qu'une vie, quasi. Ce n'est pas des aventures individuelles, en fait, c'est des vraies aventures collectives où les parents s'investissent énormément. Et nous, on voit grandir à la fois les jeunes, à la fois les familles. Thank you.
À bientôt 18 ans, Arthur Cazaux, le finaliste de l'Open d'Australie, vit ses dernières semaines sur le circuit junior. C'est pas la fin d'un cycle, c'est plus des étapes. C'est plus une continuité parce que, en fait, il n'y a pas vraiment une grosse différence entre les premiers tournois professionnels qui sont les futurs et les gros tournois juniors. C'est à peu près le même niveau de jeu, je trouve. Faire finale d'un grand chelem junior, c'est pas que ça n'a pas de valeur, mais c'est rien du tout. Le principal, c'est le long terme. À moyen terme, je m'étais donné comme objectif de rentrer dans le top 100 ATP avant mes 21 ans. C'est mon objectif. Je me dis qu'il y a encore énormément de taf avant d'arriver top 100 ATP. Arthur avance avec sérénité vers le monde des adultes et vers le dernier grand rendez-vous de sa vie de junior, Roland-Garros, à domicile. On ne sait pas encore à cause du virus, on ne sait pas quel tournoi il va y avoir, comment ça va se passer. Mais si Roland-Garros junior se passe, ben forcément mon objectif ça va être d'essayer d'aller au bout.